J'ai pas envie d'y retourner. Ok, on ira tout à l'heure. C'est mort. Mais c'est bizarre, il y a de la lumière rouge. Moi je me suis dit que c'était bon et tout. Fuck was that? Je crois que c'est ma tête en fait. On est que une pauvre petite tête. Allez, faut y aller, faut y aller. Je suis un roseau. Non! 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 Mais je peux pas courir! Ah bah les couilles! Ah bah les couilles! On court comment dans ce putain de jeu? Bon, on va dire qu'il y avait plus effrayant, quand même. Mais bon. Ouais, bah je vais pas par là, moi j'ai pas envie de me faire niquer. Oh là là. Hello. Hello. What? Putain, j'ai cru qu'on allait se prendre un éboulement dans la gueule. D'ailleurs, je sais même pas où il est parti ce caillou. Oh, j'ai pas peur. Ok, j'ai un peu peur quand même. Alors là, je sens que ça va être le choix de notre vie. Gauche ou droite? Allez, on va à gauche. Hello, Peach. Robert. Ah, j'ai retrouvé Robert. Enfin, ce qu'il en reste.
Putain, je sais même pas où il faut aller. On va essayer par là, hein. Ah putain, j'ai flippé, je crois que j'allais mourir. Je sais pas si on va se diriger vers... vers la lumière. Quelque part, un passage s'est ouvert. Mais je sais pas où y est ton putain de passage. Ah merde. Ça doit être un des chemins manquants, enfin restants plutôt. Maintenant, je suppose que tous les seuls chemins qu'on peut passer, c'est ça va tomber, ça, c'est sûr. Ah non, ça va. Donc ouais, je disais. Les... What the fuck? I'm back in a minute. Let's go. 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 I don't care. I love it. Quelque part. Yeah! Non! Putain! Bon, je peux dire ma phrase sans qu'un arbre me tombe dessus, donc je disais donc. À mon avis, les chemins où on doit passer, c'est ceux qui se débloquent au fur et à mesure. Donc là, vu que j'ai récupéré l'os, on va peut-être pouvoir aller à. C'est quoi ça? Hello? Une pomme? Mais je suis con moi! Pourquoi j'ai mangé la pomme? Oh mais pourquoi j'ai mangé la pomme? I'm back! I'm getting back! Because I'm back. Because I'm back to the minute. Oh my God, I'm back to the minute. J'ai même pas fait tomber l'arbre. Ah, je l'ai niqué ce bâtard. Bon, du coup, on mange pas la pomme. Ça, c'est sûr. Je vais même pas ouvrir le truc. Je vais aller par là. Bon, ça veut dire que c'est de l'autre côté du coup.
I'm alive, but not for a while. Dans 2 minutes, je vais mourir. Hello. Cet arbre-là, je ne... pas confiance. J'ai cru qu'on était en train de me suivre. J'entendais des pas. C'est quoi cette... Oh non. C'est le pire endroit de la Terre ici. Oh putain. Ah I'm dead. Faut que je récupère le truc. You didn't fucking see me. What the fuck? Je comprends vraiment pas comment le passer ce monstre. Du coup, ça risque d'être très embêtant. Faster, motherfucker. Faster, motherfucker. Mais j'ai... on est marre. Je sais même pas comment on passe ce truc à la con. Ce qu'il va falloir faire vite. Mais même en essayant de faire vite, en plus t'es trop gros. J'en ai marre, je sais pas où aller. Faster, motherfucker. Faster, I said faster. Oui, oui. Non.
Ok, je sais comment les passer. Il suffit de ne pas bouger. Je crois qu'on a réussi. Ouais, c'est bon. Bon. Maintenant qu'on a cet os là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce que le dernier passage est ouvert maintenant? On sait même pas, il l'a pas dit. Ouais. Bon. C'est cool tout ça. On va pouvoir aller au dernier endroit. Peut-être. Peut-être pas, je sais pas. Y'a peut-être des problèmes dans ta tête. Tiens, la pomme a disparu. Ah non. Non, je n'appuierai pas sur F, tu rêves. Tout va se jouer maintenant. Dans ce dernier chemin. Que va-t-il se passer? Qui va-t-on rencontrer? La jeune fille? Probablement. Robert, sors de ta cachette. What? Teddy? Teddy! Teddy. Teddy, arrête de me regarder. Bon, bah Teddy me regarde, tant pis. Hello. Putain, si un jour je me retrouve dans cette... Dans ce genre de forêt, je me suicide. Quoi? Encore toi? The fuck? Oula, y'a un truc pas clair là-bas. Je le sens mal. Rien, c'est l'ombre de la pierre. Ah, serait-ce une relique? Arrêtez de me faire des feintes. Putain, je m'en doutais. Règle numéro 1, ne jamais ramasser les objets qui sont sur la route. En gros, veuillez passer votre chemin. Merci. Wow. Cool, ça fait bon ici. Il y a de la lumière et tout. C'est bon. On est en vie. Bon. On va déjà regarder ce qui se passe. Oh, faut arrêter de me jeter des cailloux, Robert, hein. Il est fou quoi lui. Quelqu'un à l'intérieur? Hello.
Ça serait cool qu'on puisse rentrer, s'il te plaît, Robert. Teddy! Ah non, pas Teddy! Teddy? Ah bah, Teddy, Teddy est plus là. Teddy, il a disparu. Ah, bon. C'est quoi ce câble électrique bizarre? Sûrement un bug du jeu. Par contre, j'aime pas ça. On est en train de descendre dans les catacombes. Hein. Wow. J'ai pas d'autres mots là. Il fait très très sombre. C'est quoi cette ambiance? Le prochain arbre va me tomber sur la gueule. Ah, ah non, c'est une plante. Ah, ça, c'est pas une plante, c'est pas une plante. Pas une plante. J'aimerais partir très loin. Y aurait-il quelque chose à l'intérieur? S'il vous plaît, une lampe torche, une lampe torche, une lampe torche. Allons à droite en premier. Tiens. Il y a l'air d'avoir quelque chose là-bas. What the fuck? C'est quoi, des gens pendus ou quoi? Je vais me faire défoncer. Ok, alors j'ai trouvé un truc sympa, c'est que quand c'est écrit presse F et qu'il n'y a rien d'autre écrit, c'est forcément un fake. Avec cette technique, je vais devoir je vais jamais me faire avoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour la première partie. La deuxième partie de The Cursed Forest, pardon. Quant à nous, on se retrouvera demain pour la suite de cette aventure. Et voilà, donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Je vous dis à demain. Ciao!